Salut à tous les amis, c'est Vebrix. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo mock assez particulière. Car en effet, tous les deux ans, une exposition de crèche se tient à l'église Saint-Christophe de Tourcoing. Tout le monde peut créer sa crèche et l'exposer. Cette année, les crèches ont pour thème la musique, et passionné de Lego que je suis, j'ai donc relevé le défi afin de réaliser ma propre crèche sur le thème de la musique, avec mes pièces Lego. Dans cette vidéo, je vais vous montrer en détail en fait ma création avec bien sûr l'envers du décor. Et à la fin de la vidéo, je vais vous montrer quelques petites photos d'autres créations qui sont aussi intéressantes, mais qui ne sont pas du Lego, mais qui peuvent être aussi originales. Cette création met en valeur le thème de la musique grâce à l'inspiration d'un tourne-disque. Sur la devanture de celui-ci se trouve l'enceinte où sont accrochées différentes notes de musique de couleurs variées. L'idée principale était de faire tourner en fait le disque ainsi que la scénette grâce à une petite manivelle sur le côté. C'est pourquoi avec une tige Lego Technique insérée du coup à l'horizontale, j'ai pu l'insérer en plus dans un principe un peu hélicoïdal, dans une vis hélicoïdale, qui alimente elle-même un engrenage, dont celui-ci a également une autre tige technique mais à la verticale, ce qui vient alimenter en fait le disque pour qu'il puisse tourner, ainsi que la petite scénette. Au tout début de la création, j'avais pour idée de créer moi-même le propre disque vinyle en Lego, mais ça rendait pas forcément bien avec l'épaisseur, le style et tout, donc j'ai préféré de m'orienter plus sur un vrai disque vinyle, et je trouve que ça rend beaucoup mieux. Passons maintenant à la crèche en elle-même. Cette crèche est installée sur une base de pièces plates de couleur beige. Le premier plan consiste à mettre en scène les animaux et les personnages emblématiques de la crèche. Au second plan, on retrouve vraiment le bâti de cette crèche en bois, et entre deux j'ai placé des palmiers pour apporter un peu plus de verdure et de gaieté à cette petite mise en scène, et c'est surtout pour rappeler vraiment l'ambiance en fait désertique de cette scénette de crèche. Pour les personnages, nous allons commencer d'abord par la gauche avec Joseph et son petit bâton de berger fait à partir d'une figurine Star Wars. Ensuite nous avons le petit Jésus dans son landau, dont celui-ci est fait à partir d'un couvercle de coffre de pirate, et je trouve l'utilité assez sympa et dans les dimensions. Et à côté, on a Marie, du coup, auprès du petit Jésus. Celle-ci composée d'un haut blanc des années 80 avec un petit collier, et pour le bas, une simple pièce en pente type toiture bleue, pour donner l'impression qu'elle est agenouillée vers l'enfant. Pour les animaux, je n'avais pas de veau, donc j'ai mis un cheval, un poulain, et un petit mouton auprès de Joseph. Là, la construction de ce mock est terminée, et je me suis dit, mais il est beau, mais il manque un truc. La petite manivelle, c'est bien, mais c'est un peu long, et je me suis dit, mais pourquoi pas rajouter un moteur, ça peut être fou. Et ben, c'est ce que j'ai fait, je me suis lancé le pari, et ça fonctionne de fou. Regardez. Donc pour l'installation du moteur, c'est assez simple, celui-ci se trouve en bout de ligne de cette grande barre horizontale qui passe par la vis hélicoïdale qui alimente l'engrenage et tout le barda pour faire tourner le disque. Donc je vous mets une petite vidéo, et ce qui est intéressant, c'est que ce moteur, il est relié à un boîtier non pas à pile comme Lego mais sur batterie, car ce kit de moteur je l'ai trouvé sur Amazon et c'est assez intéressant de l'avoir en fait sur batterie. Du coup on peut le recharger facilement avec un câble micro USB, donc je vous le conseille, ça rend super bien et c'est super intéressant pour d'autres projets. Maintenant, je vous fais découvrir quelques petits points de vue du fonctionnement global avec le moteur de cette petite création. Et là nous avons du coup le fonctionnement sans moteur où j'active avec la manivelle.
Je me rends donc à l'église le mercredi 13 décembre pour y déposer ma petite crèche qui est enfin prête pour l'exposition. Je vous invite donc à aller voir ma crèche, à cette exposition tenue par les amis de Tourcoing et qui aura lieu jusqu'au 26 décembre 2023. J'espère que cette vidéo mock spéciale crèche de Noël vous aura plu. Sur ce, c'est TVBrix, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez. Allez, ciao!